Le château de Morteau paraissait tout petit sur son éperon rocheux. Il semblait être bien au calme. En s'approchant, on pouvait remarquer que cette forteresse était bien défendue et bien située. Un large fossé, un pont-levis, des tours de défense permettaient d'y vivre en paix. Le seigneur de Percetrou Morteau y régnait. Avec son épouse, la duchesse de Sommières, ils avaient eu un bel enfant, la princesse de Morteau Percetrou. La vie dans le château.